Je suis content de perdre au Chat Noir. Ça fait depuis 1987 qu'on joue au Chat Noir. Simplement, au début, on jouait du lundi au samedi. On finissait complètement sur les genoux parce qu'on travaille tous le lendemain. Alors maintenant, comme on dit un vieux, on fait plus que 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Ah ben on est vieux, ça fait. Le beau lac, ça fait. On est vieux parce qu'on a commencé dans la trentaine à peu près. Donc personnellement, j'atteins la cinquantaine. Parle-toi de l'émanique, c'est simplement que on utilise certaines expressions dans nos chansons, comme dans le Tram 12. Tout d'un coup, on parle de la protection civile, évidemment, le type de Paris qu'on prend pas, de quoi on parle. Mais c'est pas tout à fait du patois, parce que c'est que les noms, c'est quelque chose qui s'utilise que le 12 décembre. Première mondiale. Donc, mineur, c'est ça, oui. Majeur, c'est ça. C'est un endroit mythique. On a fait une chanson du reste, ça s'appelle Venez prendre votre pied à la rue Vautier, au Chat Noir. C'est un endroit absolument extraordinaire où il y a des concerts. Mon verre de verre, je suis content de perdre au Chat Noir. Ouais, on va chanter ce soir. On la met. Puis alors, c'est une chanson qu'on met toujours au goût du jour. On parle de... Au départ, on parlait d'Hélène. Hélène et les garçons, mais elle a disparu de la circulation, la brave dame. Alors là, on a transformé, on parle de Céline Dion. Le chien, il va pas sortir ce soir parce que le maître du chien, c'était Dietrich Fraser Disco. Et comme il nous a quittés, eh bien, on va profiter de laisser cette chanson en réserve de la République. Notre chanteur bien-aimé qui a chanté avec nous pendant 19 ans a décidé de se retirer parce qu'il a tant d'autres choses à faire. Il est fatigué un peu, alors on s'est demandé si on avait engagé une grande vedette de la scène. Et puis pour finir, on préférait se répartir entre nous le travail de Dietrich. Alors c'est vrai qu'on perd son point visuel parce que c'est une espèce de bête. Mais musicalement, je crois que ça va. On verra bien si les gens ne sont pas contents. On lancera un appel, peut-être que Dietrich reviendra. Moi j'ai fait un cauchemar, c'est que je termine de chanter, puis j'entends un type qui fait « Ouais, Dietrich !» Alors, tu vois, c'est là, je vais y aller. Ce que j'espère, c'est qu'il soit plein à craquer, et puis je peux te laisser. Voilà, alors ça c'est... Ça, c'est un membre fondateur du Beau Lac de Bâle, Jim Chaud. Ça va, tu chutes pas trop? Non, ça va bien. Adieu. On était mangé. Alors, Jimmy Chaud, c'est vraiment l'initiateur du Beau Lac de Bâle. Ils sont venus avec leur chauffeur. Salut. Ah, c'est un groupe qui... Voilà, c'est un groupe qui a une belle histoire. Ouais. Je suis très heureux de venir les voir jouer. C'est vrai. Ouais, je suis content. Mais je crois que notre ami François est stressé. Non, ça va. Mais oui, il m'a envoyé une email, il était un peu flippé. Salut, hein. C'est le côté du monde sur la scène, ça bouge. Hein. Alors on est branché sur Internet. Voilà, c'est branché sur Internet. Ouais. C'est tout simple, il y a une caméra qui vise la scène, et puis la table de mixage qui retransmet le son du groupe. Et donc les gens à distance peuvent avoir un clin d'œil sur ce qui se passe ici. J'ai eu des échos parce que il y a des gens, j'ai fait un artiste québécois il n'y a pas très longtemps et sa femme a pu le regarder depuis le Québec. On sait que ça a marché parce qu'elle a téléphoné après le concert pour dire qu'elle avait eu du plaisir de le voir jouer là. Donc je sais qu'il y a quand même des gens qui se connectent. C'est encore un peu anecdotique, mais disons que ça intéresse quand même pas mal de gens.
chercher quelque chose à lui. J'avais envie de lui. C'est facile, c'est www.chanoir.ch. On y va. Et Corinne Coquille.